Le sujet nous le permettait, et c'est vrai qu'on avait envie d'aller plus loin qu'une certaine réalité, d'aller dans le fantasme de nous, ce que nous on aurait pu imaginer. Et le thriller nous permettait ça, de pousser la peur, de pousser l'envie, la violence. Le plaisir de cinéma aussi. Il y a une chose de jouissive. Voilà, on a regardé enfant, avec... on a regardé beaucoup de films différents, très différents. Ouais. On n'a pas été éduqué dans une ligne de cinéma différente, et même si en tant qu'acteur, on se place dans un certain genre de cinéma, peut-être pour les gens, mais en tant que spectateur, on aime beaucoup, beaucoup de choses. Et pour ce film-là, je pense qu'un réalisateur, il se dit, je ne sais pas si on faisait un film, je crois que la question se poserait du genre, mais on pourrait faire quelque chose de totalement différent parce que ça dépend de quelle est la forme juste par rapport au fond de ce qu'on raconte. Mais c'est ce qu'on raconte, et c'est étonnant parce qu'on s'en est encore plus rendu compte en ayant une autre place, donc le metteur en scène, d'avoir en face des actrices qui forcément passent par des doutes, comme nous on peut l'avoir quand on est acteur, on se dit tiens, est-ce que ce qu'on a joué aujourd'hui était bien, est-ce qu'on a le sentiment de ne pas avoir bien fait les choses, et dans la fragilité qu'un acteur peut se mettre dans le doute, et en tant que metteur en scène, alors que tu as plein de choses à gérer, donc tu n'as pas le temps d'avoir le doute, ou si tu peux l'avoir, mais très vite, en plus nous on est deux, donc on était une force, mais tout d'un coup on voyait en face une actrice qui était démunie, triste, blessée, parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir donné assez, et tout d'un coup on s'est rendu compte, ah, mais en fait ouais, il y a une part de fragilité, parce qu'en fait, en tant qu'acteur, on nous demande d'être au plus proche de nos sentiments, ouvert, vulnérable, pour pouvoir imprimer la caméra d'un sentiment, d'une émotion. Mais du coup, et c'est pour ça que quand il y a des gens en phase, metteurs en scène, qui ont cette perversité de pouvoir utiliser justement ça, mais ça peut être dangereux, quoi. Ça peut faire très mal parce qu'il n'y a pas de filtre quand on est acteur et qu'on joue un peu, en tout cas, on essaye de les enlever. Après, pour le personnage de Sam, on s'est posé la question, on s'est dit, voilà, on ne voulait pas faire une actrice pour lequel c'était le fait d'être actrice qui est difficile, parce que c'est aussi un métier dont beaucoup de gens rêvent, et on ne voulait pas dire, oh, la pauvre actrice, elle a une vie formidable, elle a un enfant, un mari, elle gagne bien sa vie, c'est une star, mais elle a quand même une vie assez dure. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est une écorchée vive, c'est une jeune femme qui est devenue actrice parce qu'elle a quelque chose de fêlé en elle, d'un peu fou, d'une sensibilité exacerbée. Et que cette chose-là, si elle est observée, regardée, mal utilisée, ça la détruit. Je pense que le métier d'acteur, il demande comme beaucoup de métiers de création, il demande d'avoir des assises, d'avoir un endroit où on peut se ressourcer. Et à un moment donné, ça épuise, comme beaucoup de choses, comme l'écriture ou la réalisation. Et que c'est vrai que c'est un métier qui ça laisse pas dire. En tout cas, les rôles qu'on joue, il y a une forme d'empreinte qui se fait sur les acteurs. Non, c'était important pour plusieurs choses. On cherchait, donc ce metteur en scène en fait veut adapter un roman, c'est quelqu'un qui est étranger mais où la langue française est importante pour lui. Et on avait envie d'un metteur en scène un peu fou, un peu artiste complet, et en fait il utilise ce personnage de Justine pour aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de Sam, et elle qui elle-même a un endroit de sa vie complexe et perdu, et en fait c'est toute la complexité d'accepter d'être détruit comme les Justines face face aux gens, à ces bourreaux, et voilà, et d'accepter en fait de se faire maltraiter, et elle n'accepte pas, elle lâche pas, et cette perversité, on cherchait comme le réalisateur a une forme de perversité avec elle, et aussi il y avait un rapport pour Mona qui elle
a eu un autre parcours plus littéraire, elle a fait le conservatoire, elle a fait du théâtre, donc tout ça, elle connaît mieux, et pour elle c'était légitime de se dire « Ah mais en fait c'est ma place, moi je connais mieux ça, moi je lis ». Et tout d'un coup elle pouvait se dire « Tiens, mais c'est pas la place de ma sœur en fait d'avoir cette chance de pouvoir interpréter ça, c'est moi qui devrais le faire ». Du coup, l'envie, la jalousie, la frustration pouvaient naître encore plus. On était tellement soft, ouais, tellement light. Non, après, il y a des figures fortes dans le film, que ce soit la mère, que ce soit le réalisateur, mais c'est ce qu'on avait envie de donner comme couleur et même l'esthétisme du film part du fait que, qu'on voit le film à travers les yeux de Mona et son fantasme, et comment elle projette son désir, son envie, et voilà. Et donc tout ça est un peu... Parce qu'on aurait pu faire un film sur le cinéma et faire un film avec une grande précision, presque un documentaire sur le cinéma, mais on s'est rendu compte que nous, ça nous intéressait de se révoluer dans le milieu du cinéma parce qu'on connaissait ce milieu-là, mais on voulait que ce soit juste le décor de leur relation à elles deux, et que donc le réalisateur et les acteurs, le tournage, c'est vraiment comme une vision de, quand on parle de cinéma ou de sujets certains, il y a beaucoup de clichés. On avait envie de jouer avec ces clichés aussi, de ne pas être dupe du fait que dès qu'on montre un réalisateur, une actrice, un tournage, une star, on peut jouer et déjouer les clichés. Et le, voilà, certains personnages sont à la limite du cliché parce qu'on a envie de faire un pied de nez à ça aussi, du fait qu'on parle de cinéma, on en est conscient, et donc certains personnages sont plus archétypales. Voilà. Parce que comme toujours, on traverse les acteurs, les actrices de cet âge-là, et puis on imagine un duo, et puis là c'est vrai, ce qui nous intéressait au-delà du talent de l'une et de l'autre, c'était de les amener dans un inconfort, en tout cas de les amener vers une autre facette de leur personnalité, qu'elles ne sont pas à premier abord, et par exemple Leïla est quelqu'un de très généreuse, très lumineuse, très bienveillante, et on trouvait ça intéressant, justement parce qu'on est acteurs tous les deux, d'aller chercher autre chose chez elle et de faire tout ce travail, et du coup au contraire d'assécher ses mouvements, de la mettre plus dans l'ombre, dans le mystère, plus sèche, et tout ça c'est un travail qu'on a fait avec elle. Et on n'avait pas besoin d'aller chercher justement ce qui était doux en elle, parce qu'elle l'avait. Et donc ça complexifiait du coup le personnage. Pareil pour Zita, qui est quelqu'un de plutôt timide, réservé, très, très humble, qui ne prend pas trop de place. Et en même temps, qui avait envie, toutes les deux, elles avaient envie de chercher ça, parce que c'est, voilà, on est multiples tous. Et d'avoir un endroit qu'on a moins l'habitude de montrer, pour un acteur, c'est intéressant, parce qu'on est souvent engagé pour ce qu'on a déjà montré, et puis on nous a vu dans un film, alors on va réengager pour ça. Mais le plaisir du jeu, c'est le plaisir d'explorer d'autres choses, d'autres vies, d'autres facettes de nos personnalités. Comme nous, en tant que réalisateurs, on a poussé la fiction dans ses derniers retranchements, la pulsion, le désir. Et comme acteur aussi, il y a ce plaisir-là d'aller voir ailleurs. Nos envies... Elles étaient très, non, très larges. Non, référence. Ouais, mais dans les films, les thrillers, il y avait par exemple Take Shelter, Martha, Marcy, et Marlène. Oui. Dans les films de genre, c'est Morse et It Follows, qui sont là pour l'aspect visuel, placement de caméra, et choses comme Take ça. Take Shelter, il y a ce côté où justement on suit le personnage principal et ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'on a voulu. Ouais, il y a pas mal de choses. L'esthétisme du film était. Voilà. Et ce film, allez, comment s'appelle ce film? C'était un des premières inspirations du scénario avec ses deux sœurs. Allez, un vieux film, juste je tombe pas sur le nom. C'est pas Eve, c'est... What Happened to Baby Jane. Ouais, Whatever Happened to Baby Jane. Lui, il fait tout et moi, je rigole. Vous avez vu? C'est clair. Ouais, je bois des bières et tout. Allez, vas-y. Ça s'est fait très naturellement. Après, on a écrit ensemble, donc le sujet on le connaissait. On a eu le temps de préparer les choses en amont.
Et puis moi, j'ai travaillé avec les frères Dardenne longtemps, donc j'avais en face de moi et, un exemple précis de comment ils se répartissaient les tâches. Ou, ce qui était important en tout cas, c'est de diffuser la même information. Donc on s'était pris comme charte après chaque prise, de faire une espèce de bulle entre nous deux, ou avant de se parler de la séquence, de ce qu'on aimait ou ce qu'on voulait changer, et puis avant de diffuser les informations. Et après, en fait, très vite aussi, on bougeait. Enfin, ça s'est fait très naturellement. Au départ, on imaginait plus qu'il y en ait un qui reste avec les acteurs, l'autre avec sur la technique. Et en fait, non, on passait de l'un à l'autre. Logique, je sais pas, mais très vite, il y avait une coproduction belge. Ben, moi, j'ai grandi avec eux. On parlait, on est tous les deux frères, on racontait l'histoire de deux sœurs, je trouvais ça, voilà, ça coulait de soi, de continuer l'aventure d'une autre manière avec eux. Et c'était très agréable, parce qu'ils nous ont soutenus, parce qu'ils nous ont poussés, parce qu'ils nous ont écoutés, parce qu'ils nous ont bousculés. Ils ont joué le jeu, ils y ont été. Et puis ce qui est agréable, c'est que voilà, ils coproduisent peu de films, et quand ils coproduisent, c'est qu'ils croient vraiment au projet. Après, voilà, forcément, il y a un lien qui nous rassemble, eux et nous, et moi. Et puis, d'autant plus quand on devient réalisateur plutôt qu'acteur, c'est qu'on est un peu, en tant que réalisateur, on peut choisir les gens avec qui on s'entoure. Et Jérémy et moi, on s'est dit, mais est-ce qu'on va s'entourer des gens avec qui on rêve de travailler, les gens qui ont le meilleur CV, ceci, cela, mais il y avait un endroit où on s'est dit, mais nous, on a besoin de gens, puisqu'on a une relation de plaisir et d'amour, et sans que le mot soit galvaudé, on avait envie de s'entourer de gens pour qui on avait du respect, et de l'amitié, et de l'amour même. Et voilà, et donc ce côté familial du film, et le fait que les gens qui travaillent sur le film, c'est des gens qu'on apprécie, ça c'était quelque chose d'important, mais on n'avait pas décidé de le faire. Ça s'est construit petit à petit, puis on s'est dit, mais tiens, c'était important pour nous de faire ce film-là, dans ces conditions-là.